Ouais. Bonjour, alors à l'Institut de psychologie contextuelle, on est le plus connu pour avoir développé les 6 étapes de la matrice A, qui est une manière simple, directe et surtout efficace de délivrer la thérapie d'acceptation et d'engagement. En fait, on sait que c'est efficace pour 80% des personnes. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour 20% des personnes. Alors, l'acte en soi, ce n'est jamais résumé à une collection de techniques ni à des modèles, que ce soit le modèle de l'Eglaflex ou même encore le modèle de la matrice que nous utilisons beaucoup, et encore moins à des protocoles pour des syndromes particuliers. Non, c'est un modèle qui se fonde sur une théorie des processus de la cognition humaine complexe, la théorie des cadres rationnels. Et malgré ça, jusqu'à récemment, bien que moi-même je sois passionné par cette théorie, le lien entre la théorie des cadres rationnels et la pratique clinique restait pas mal obscur et surtout ne permettait pas de guider efficacement la pratique clinique. Ça faisait que la théorie se tenait un petit peu étrangement séparée de la pratique clinique, comme isolée sur une île au loin à l'horizon. De plus, cette théorie, la TCR, apparaissait souvent comme une jungle dans laquelle on avait plus de chances de se perdre que de trouver son chemin vers une pratique clinique plus précise, plus efficace et plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque client et de chaque cliente. La bonne nouvelle, c'est que des avancées issues du plus gros programme de recherche conduit sur la TCR, le programme Odysseus, permettent enfin ce lien direct entre théorie et pratique clinique. Le programme Odysseus a conduit à l'identification d'une unité qui se tient au cœur des difficultés psychologiques et comportementales de l'existence humaine. Cette unité, qu'on peut apprendre à reconnaître et surtout à modifier, plonge au plus profond de ce que signifie être humain pour chacun et chacune d'entre nous. De nombreuses approches, bien sûr, chacune dans leur langage et avec leurs concepts proches, ont cherché à identifier cette unité. Les avancées de la TCR permettent enfin de lui donner un nom et surtout d'apprendre à travailler directement avec elle pour un changement profond et durable qui ne se limite pas à apprendre à gérer des symptômes ou à se remettre en action, mais qui libère pour toujours les personnes de leur sens de soi erroné et limitant. L'IPC a toujours été guidé par la science. Aujourd'hui, guidé par les avancées de la science, nous avons fait le choix de mettre à jour notre programme de formation afin d'y intégrer ces nouveaux développements et de les mettre à votre portée, à la portée des intervenants et des intervenantes. Je suis donc assez excité de vous annoncer notre nouveau programme dans lequel les intervenants de toutes approches, et ça c'est important, de toutes approches, pourront trouver de quoi affiner leur compréhension de leurs clients et surtout potentialiser leurs interventions. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai ce que ce nouveau programme va vous apporter concrètement. À la prochaine !